de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous avons chanté que nous voulions que le règne du Seigneur vienne. Jésus dira dans l'Évangile qu'il est tout proche et nous invite à nous convertir, à nous tourner vers lui, à l'accueillir. Ce que nous voulons faire aussi avec 6 enfants qui continuent leur marche vers le baptême, qui ont déjà fait une étape il y a quelques semaines, vous avez accueilli dans cette église, et maintenant qui vont faire cette deuxième étape qui s'appelle l'entrée au catéchuménat. Le catéchumène, c'est celui qui se met à l'écoute d'un maître, d'un enseignement. Ils veulent se mettre à l'écoute de l'enseignement du Christ. Et sur ce chemin, eh bien, le Seigneur leur donne et l'Église leur donne 2 signes. Celui de la croix, non de faire le signe de croix nous-mêmes sur nous, et le signe de sa parole, de l'Évangile, comme des poteaux indicateurs pour les amener au but. Alors je vais inviter ces 6 enfants à venir au bas des marches, et je vais maintenant leur faire ce qu'on appelle la signation, marquer du signe de la croix, et remettre une croix, signe de l'amour du Seigneur. Pouvez-vous avancer les enfants? Elias, Marie, André, Clara, c'est Dieu qui vous appelle à devenir les amis de Jésus, son Fils. C'est pourquoi je vais vous marquer du signe des chrétiens, la croix de Jésus-Christ. Tout au long de votre vie, cette croix vous rappellera son amour. Ne l'oubliez jamais. Sur le chemin, il faut laisser là nos péchés, sinon on ne peut pas avancer plus loin. Remettons au début de cette célébration tous nos péchés au Seigneur, dans la confiance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
conditions de vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La parole de Dieu, j'ai oublié de remettre leur petite croix, c'est pas obligatoire, mais je vais le faire aux 6 enfants, vous pouvez vous asseoir les autres, je vais juste remettre la croix aux 6 enfants qui se préparent au baptême. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcourue une journée à peine en proclamant. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne. Et tous, du plus grand au plus petit, se vêturent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité.
Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. De Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Alors mes enfants, qui vous préparez au baptême, vous venez d'entendre ce texte. Ça tombe bien parce que c'est celui qu'on a lu déjà hier. C'est pas fait exprès, hein. C'est celui qui était dans votre livret, préparé hier, et c'est le même. Alors, on va faire maintenant, je vous invite encore à venir, deuxième fois, c'est la dernière pour aujourd'hui, au pied de cet autel. Vous venez d'entendre cet évangile, cette bonne nouvelle, et je vais maintenant vous donner à chacun un évangile, c'est selon Saint Luc, c'est la vie de Jésus. Voici le livre des évangiles, qu'ils deviennent pour chacun de vous parole de vie. Maintenant, faisons la troisième rite d'aujourd'hui. Vous allez dire devant tous votre engagement, on fera l'un après l'autre. Vous avez le petit livre, on lira chacun votre engagement. Vous avez reçu ces deux signes, la croix et la parole de Dieu, l'évangile. Et vous pouvez, on va commencer là.
Je veux continuer pour apprendre à lire en enfant de Dieu. Maintenant, je crois en Jésus. Je peux faire le signe de la croix. Avec vous, je veux continuer pour apprendre à vivre en enfant de Dieu. Maintenant, je crois en Jésus. Je peux faire le signe de la croix. Avec vous, je veux continuer pour apprendre à vivre en enfant de Dieu. Maintenant, je crois en Jésus. Je peux faire le signe de la croix. Avec vous, je veux continuer pour apprendre à vivre en enfant de Dieu. Maintenant, je crois en Jésus. Je peux faire le signe de la croix. Avec vous, je veux continuer pour apprendre à vivre en enfant de Dieu. Maintenant, je crois en Jésus. Je peux faire le signe de la croix avec vous. Je veux continuer pour apprendre à vivre en enfant de Dieu. Quant à nous, les chrétiens ici présents, nous voulons être attentifs aux découvertes et aux questions de ces 6 enfants. De Lison, Enzo, Elias, Marie, Ambre et Clara. Leur apporter le soutien de notre affection et de notre prière. Pour cela, nous sommes prêts à vivre dans une plus grande fidélité à Dieu. Peut-être que nous pouvons répondre, est-ce que vous êtes prêts à les accompagner? Oui. Alors nous sommes heureux et nous continuons à prier pour eux sur cette route. Je vais retourner. Alors vous pouvez aussi, peut-être saluer vos parents, ils sont aussi d'accord, comme on l'a déjà dit la dernière fois. Et ils peuvent aussi, ils pourront aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais faire le signe de croix sur votre front. Ils peuvent le faire aussi chaque soir avant que vous alliez vous coucher. C'est un signe de bénédiction. Alors nous aussi, frères et sœurs adultes, nous nous mettons à l'écoute, à l'école de la parole de Dieu. Et bien, nous allons reprendre un petit peu ensemble maintenant les textes que nous venons d'entendre. Depuis quelques jours, vous avez remarqué, le temps est un peu gris, un peu pluvieux, neigeux. Aujourd'hui, ça va un tout petit peu mieux. Et puis les textes que nous avons entendus, c'est les textes de pénitence, de conversion, de repentir. Il y a même un texte qu'on dit le jour de la liturgie des cendres. Hein. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Alors, est-ce qu'on serait pendant le carême, déjà Bien, non, nous sommes habillés en vert, donc c'est le temps ordinaire. Et justement, le temps ordinaire, c'est quoi? C'est nous tourner résolument vers notre Dieu, marcher généreusement, fidèlement à sa suite. Alors, le mot central de la parole de Dieu d'aujourd'hui, c'est donc « se convertir ». Dans le livre de Jonas, la première lecture, Jonas dit aux habitants de Ninive, aujourd'hui c'est en Irak, convertissez-vous. Et puis Jésus dit, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Alors vous savez que j'aime bien travailler sur les mots, jouer sur les mots. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on trouve l'étymologie et ça donne sens? On découvre la richesse de chaque mot. Alors aujourd'hui, je voudrais justement revenir sur ce mot. Conversion. Se convertir, ça veut dire se tourner vers. Il y en a qui vont au sport d'hiver en ce moment, qui font une conversion à ski. Conversion à ski, c'est on est dans un sens et puis il faut faire toute une manœuvre pour aller dans l'autre sens. Je ne vais pas vous le faire parce que je vais vous casser la figure sinon. Mais se convertir, c'est changer de sens. Marie-Madeleine, au moment de la résurrection, elle est au tombeau, toute triste, désemparée, Jésus est mort. Elle est tournée vers elle-même, introvertie. Et quand elle reconnaît enfin le ressuscité qu'il appelle par son nom, Marie, il y en a une parmi nous au moins, elle vit une réelle conversion. Elle se tourne vers lui, dit saint Jean. Alors qu'en réalité, elle est déjà tournée physiquement vers le Christ. Elle est déjà tournée vers lui, pourtant elle se tourne vers lui. Alors, c'est parce qu'elle est tournée en même temps, intérieurement. Elle est face à Jésus, mais elle ne le reconnaît pas, elle est introverti. Alors il y a une conversion et un retournement intérieur dans son cœur. Et c'est à ça que nous sommes invités. Alors, se tourner, mais vers qui? Le tournesol, lui, il est tourné vers le soleil, comme son nom l'indique. La boussole, l'aiguille est montée, elle est tournée vers le nord magnétique. Nous sommes invités à nous tourner vers le Christ. Notre soleil, notre lumière, notre espérance, et à nous laisser éclairer par sa lumière, réchauffer par son amour.
Mais parfois, le problème, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, nous sommes déboussolés ou désorientés. Nous avons perdu le nord. Il y a même des gens, des fois, peut-être, qui vous disent « Vous m'étiez complètement à l'ouest. » Alors pourquoi? Parce que justement, nous sommes, comme Marie-Madeleine, introvertis, tournés vers nous-mêmes, nos petits intérêts mesquins, notre petit bonheur personnel, le matérialisme qui prend tellement de place aujourd'hui. Ou, comme dirait saint Paul, il y va fort parfois, il dit « Leur Dieu, c'est leur ventre », c'est-à-dire qu'on pense que à son nombril. Introverti. Ou encore pire, perverti. Perverti, ça veut dire nous sommes pécheurs, nous prenons un mauvais chemin. Ou alors, et ça, il y en a un qui est très fort pour ça, qui s'appelle le diable et qui existe, Satan, qui nous divertit, mais pas pour faire rire, hein. Le divertissement, c'est drôle, mais lui, il nous divertit pour nous dévier du bon chemin. Vous savez, le diable, il s'appelle le diable parce que ça veut dire diaballo, ballo, le ballon, c'est ce qu'on jette, et dia, c'est à travers. Donc il se jette en travers de la route pour nous faire tomber dans le fossé ou nous faire prendre mauvais chemin. Il y a parfois des panneaux, hein. Il va y en avoir bientôt dans la, je crois que c'est dans la rue de la République, je ne sais plus où, hein, où Charles de Gaulle, il va y avoir, pour dire attention travaux, déviation. Hein. Et bien, là c'est le diable, il dit attention, déviation, c'est pas par là qu'il faut passer, mais non, on passe par là, c'est mieux, c'est plus simple. Voilà, il dit ça en rigolant, mais c'est pas drôle du tout en fait. Il nous fait prendre la mauvaise direction. Et du coup, il y a une inversion des valeurs, de la vérité. Là, le diable, c'est le prince du mensonge. Il ne faut pas le croire. Il va nous dire des tas de choses, il ne faut pas l'écouter. Alors, face à cette perversion, cette introversion ou cette diversion, et à lui, le Seigneur, il nous invite, vous l'avez dit, à la conversion. Donc, à ce retournement. Et ce retournement, dernier jeu de mots, il passe par une aversion, un rejet, un détournement, une aversion du péché, du mal. Aversion, ça veut dire qu'on lui tourne le dos, on dit « dégage, j'en veux plus ». Alors, pourquoi je raconte que ça? C'est vraiment en lien, vous voyez les enfants, avec le baptême. Le jour du baptême, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, vous allez le faire à la troisième étape, prochaine fois. Tous, il y en a, il y a les six, puis il y a les deux autres un peu plus grands qui vont aussi être baptisés dans quelques semaines. Donc ça fait 8 sur la paroisse. Là. Ils vont vivre la même chose dans la troisième étape. Les bébés, ils le font, c'est les parents qui le font quand ils sont tout petits. Les adultes, c'est le jour du baptême. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, vous savez, les églises, elles sont tournées, normalement, comme la cathédrale, vers l'est, donc dos à l'ouest. L'est, c'est le soleil levant. L'ouest, c'est le soleil couchant. Donc l'est, c'est la lumière. L'ouest, c'est la nuit, les ténèbres. Donc on est tourné, les baptisés, vers la lumière. On choisit la lumière, on rejette les ténèbres. Et comment ça se passe, ça? Eh bien, au jour du baptême, on dit « Rejetez-vous le péché. » Oui, je le rejette. « Rejetez-vous le mal. » Oui, je rejette. « Rejetez-vous Satan. » Oui, je le rejette. Autrefois, on disait, rejetez-vous Satan et ses pompes. C'est quoi ça? C'est pas les chaussures. Hein? C'est comme les pompes funèbres, c'est pas des chaussures tristes. Les pompes funèbres, hein? Les pompes, c'est les œuvres. Les œuvres. Les manœuvres, on dirait même pour le diable. Et ces manœuvres, elles sont pas terribles. Hein? C'est, ils nous piègent, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Hein? Ils se jettent en travers, je disais tout à l'heure. Pour nous faire tomber. Hein? Si je mets un bâton dans les roues, donc, peut-être qu'ils font. Ou alors sur la piste, on parlait du ski tout à l'heure, si je mets tout d'un coup un tremplin ou un obstacle, va valser. Hein. J'en sais quelque chose, c'est pour ça que j'ai cassé la cheville il y a quelques années, parce qu'il y avait un petit obstacle sur la piste. Alors voilà, on rejette. Et je choisis la lumière. Croyez-vous en Dieu? Je crois. Croyez-vous en son Fils Jésus-Christ? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint? Je crois. Et on choisit la lumière. Donc on va passer de la vie ancienne, de l'homme ancien. L'homme ancien, ce n'est pas l'homme vieux, hein. C'est l'homme ancien, à l'homme nouveau, à une vie nouvelle. Donc de la mort, des ténèbres, des péchés, à la vie éternelle, à la lumière, à la beauté. Et pour ça, c'est ce que fait le baptême.
passe de la mort à la vie. Et on va renaître. Vous vous souvenez, les enfants, naître et renaître. C'est le titre de votre petit livret qui ne peut pas remettre. Nouvelle naissance, renaissance. Alors, c'est bien, mais quand est-ce qu'il faut faire ça? Eh bien, il y a l'urgence. Qu'est-ce que dit Jonas? Il dit, vous avez encore 40 jours. Donc, c'est bientôt. Et Saint Paul, il dit, le temps est limité. Et Jésus, il nous dit, le règne de Dieu est tout proche. Donc, il y a urgence. Alors, comment on fait? Bon, ce n'est pas par peur, hein. Ce n'est pas par peur d'être détruit, comme dans la première lecture, ou anéanti, ou par peur de la colère de Dieu, ça n'existe pas. Mais c'est une conversion positive, par amour. Vers quoi on se tourne? Vers une bonne nouvelle. Croyez en l'Évangile, bonne nouvelle. Et nous allons nous tourner vers le soleil, vers la lumière. Quand on prie le chapelet, le mystère du rosaire, la conversion avec Jésus, c'est un mystère lumineux, un mystère de lumière. C'est un petit peu, en fait, si vous voulez, comme si on se faisait bronzer sur la plage. Bon, ici, c'est pas terrible, hein, pas aux Bahamas, mais c'est comme si on se laissait réchauffer, voilà, j'ai retrouvé le mot, exposer, on s'exposait au soleil. Et je disais tout à l'heure, parce que j'ai célébré la première messe, il n'y a pas besoin de crème pour pas brûler. Et surtout, pas besoin, et surtout, il ne faut pas du tout mettre d'écran total. Hein. Parce que l'écran total, ça empêche de se laisser aimer par le Seigneur, de se laisser toucher. Non, au contraire, il faut mettre rien, se laisser complètement. Ça ne brûle pas, vous inquiétez pas. Hein. Enfin, je veux dire ça. Vous n'avez pas de coup de soleil. Voilà, nous sommes invités à repartir du Christ. C'est joyeux, c'est bon, c'est un vrai bonheur. Alors, je disais, c'est urgent. C'est immédiat, c'est radical, la réponse. Regardez la première lecture. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils se détournèrent de leur conduite mauvaise. On n'a pas tout le texte, mais en plus c'est très drôle ce texte. Il y a même les animaux qui vont faire pénitence, qui vont jeûner, qui vont porter des vêtements. Enfin, voilà, on n'a pas tout le texte, mais si vous lisez dans la Bible, vous verrez. C'est vrai, c'est très drôle. Tout le monde est concerné. Dans l'Évangile, on avait aussitôt, laissant là leur filet, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils suivent Jésus. Alors nous sommes invités à quitter les amarres de nos certitudes bien ancrées, de notre petit monde à soi bien tranquille, sans vagues, son petit rond, pour avancer au grand large du don à la suite de Jésus. Et pour ça, il faut un peu se laisser désencombrer. Les disciples, les apôtres, ils ont laissé leur filet. Nous sommes appelés à la suite du Christ. Venez derrière moi. Ils le suivirent. Ils partirent derrière lui. Le disciple, c'est celui qui marche derrière. En grec, c'est comme les servants d'hôtel, c'est les acolytes. Acolytes, c'est un mot grec, ça veut dire marcher derrière quelqu'un. Disciple ou acolyte, c'est un peu la même chose. Alors, dernier petit point. Si on peut faire ça, peut-être, ça y est, on a rencontré Jésus, c'est formidable, et un petit peu comme un coup de foudre, un coup de cœur affectif, hein, on trouve ça dans l'amour, hein. C'est bien, on est généreux, on répond avec ardeur, mais ça se, comment dire, développe après dans le temps. Hein. Un couple peut dire, oh, ben, je l'aime, etc., mais ça se prouve dans le temps, dans la durée, avec Jésus, c'est pareil. Il est nécessaire de vivre dans la durée, dans la fidélité et dans l'abandon. Je disais tout à l'heure, hier, à une des enfants, je disais, ben oui, pourquoi il faut se préparer tout ça? Parce qu'il faut le temps, c'est pas tout cuit comme ça, ça prend du temps, hein, pour valider tout ça. Parce que hein, quand on est confronté au temps, à la difficulté, etc., est-ce qu'on va continuer ou pas? Alors, en conclusion, nous sommes invités, je prends une image quand même, faire le pape François, nous sommes invités à devenir comme des tournesols, à choisir radicalement le Christ, le seul sauveur, la seule lumière, le seul qui puisse donner vrai bonheur, cette bonne nouvelle, en nous détournant de nous-mêmes, de nos idoles, de nos fausses sécurités. Parfois, on va chercher ailleurs, les conjureurs, le zodiaque, les cartes,
je ne sais pas quoi encore, ou les compromissions. Ça, ce sont des manques de confiance en Dieu. Choisissons la lumière, la vérité. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ne nous laissons pas déboussoler, désorienter, mais mettons tout notre cœur, choisissons la vie. Et comme disait saint Paul, le monde passe, vivons pour le Seigneur. Se tourner vers le Seigneur avec toute l'Église, c'est aussi proclamer sa foi, sa confiance en Dieu. Nous pouvons prendre page 99. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Tournons-nous vers le Seigneur, implorons, présentons-lui toutes nos demandes avec confiance.
Seigneur, notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Soyons rassemblés par l'Esprit Saint, un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de toute l'Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Paulette Guillemot, dont c'est la messe du Carême, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous avons à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse depuis toujours cette paix, dont tu l'avais l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
numéro 90, page 62. Deuxième chose importante, c'est le cycle alpha, parcours alpha, formation, commence ce mardi. La semaine dernière, il y a déjà eu une petite
possibilité de venir découvrir autour d'un repas, la présentation, mais ça commence officiellement ce mardi. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire, pour participer. Après, ça sera trop tard, donc c'est la dernière fois qu'on l'annonce. Mais là, il faut vraiment en profiter. Venez nombreux, largement, c'est ouvert au public, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas de la haute théologie, pas besoin d'avoir fait de grandes études, c'est vraiment une formation toute simple pour ceux qui commencent, qui recommencent, qui veulent découvrir un petit peu les choses, qui se préparent au sacrement ou autre, enfin voilà. C'est vraiment ouvert à tous, c'est une très belle proposition, une des grandes propositions que nous faisons cette année, on a mis le paquet, alors venez nombreux. Vous avez tous les renseignements sur cette feuille. Enfin, troisième annonce, lundi prochain dans 8 jours, c'est la journée mondiale de la vie consacrée, c'est la fête de la Chandeleur. Nous proposons sur la paroisse deux choses pour bien célébrer. 18h30, la messe de la présentation du Seigneur avec Monseigneur Benoît Rivière à la cathédrale Saint-Vincent, ici à Châlons. Et ensuite, à 20h30, un film au cinéma Axel, qui est un témoignage de temps de quelques jours, la découverte des sœurs cisterciennes. C'est assez unique ce film, parce qu'il a été filmé dans la clôture, ce qui est normalement interdit, mais avec la permission, donc c'est très exceptionnel de pouvoir voir cela. Ce n'est pas du voyeurisme, mais c'est vraiment un beau témoignage sur la vie contemplative, la vie consacrée. Et nous avons en plus la chance d'avoir le réalisateur Nicolas Guéraud qui sera présent, ainsi que Monseigneur Rivière. C'est à sa demande que le film est projeté. Donc venons aussi nombreux à ces deux événements, lundi 2 février. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci à la chorale des jeunes, nous continuons à chanter.